The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau but who's his caballero. The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ça, tas de feignants. Disparaissez de ma vue. Abandonner les fouilles du siècle si près du but, bande de lâches. On ne coupe pas les crédits à la science. Je me plaindrai au président des États-Unis. Mais il radote n'a besoin de personne. Je découvrirai la momie du roi Astico Sec, tout seul. On verra leur tête quand je recevrai la Golden Cross. Hein? Mais... crypte funéraire. Le tombeau d'Astico Sec, enfin. Astico Sec, le grand roi Astico Sec. Je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes. Non, mieux, la Golden Cross. On dirait que le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp a trouvé quelque chose. Rêve non plume de cheval, notre chef. Chouette, un pied tendre. Je m'occupe des plumes. Merci, monsieur. Ces coutumes locales font perdre un temps fou. Professeur Ilradot, archéologue de renommée internationale. Je viens d'exhumer un trésor inestimable. Lucky Luke, cowboy solitaire. Je viens de faire une sieste de 2 heures sur ce rocking chair. Ravi. Maintenant, excusez-moi, mais je dois me trouver demain à Santa Fe pour prendre le train de Washington. Santa Fe? La route n'est pas facile. Elle longe le territoire des Grands Nez. Les Grands Nez? Aucune inquiétude. Je transporte le corps momifié de leur grand ancêtre. Justement, je ne crois pas qu'il soit enchanté à l'idée de le voir prendre le train, à son âge. Voyons, je ne vois pas pourquoi. Un tel trésor archéologique appartient au patrimoine mondial. De plus, ça fait 2 ans que je creuse la montagne à la recherche des vestiges de la civilisation pastèque. Et les Grandis ne m'ont jamais importuné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce drôle de cercueil? Un cadavre. Enfin, une momie. Une momie? C'est quoi une momie? Eh, hey, on veut voir? Ouais, hein? Montrez la momie. Ouais, oh, la momie! La momie! La momie! La momie! La momie! Entendu. Puisque vous insistez, je vais étancher votre soif de culture. Le dernier grand roi pastèque, Astico Sec, vivait il y a 8 siècles. Certains voient dans les pastèques les ancêtres des tribus du Nouveau-Mexique. Blabla! La momie! Ouais! Bon, bon! Oh! Tiens, ils ont installé une baraque à frites. Mesdames et messieurs, voici la momie d'Astico Sec. Oh, c'est pas une baraque à frites, c'est une ambulance. Tiens, tiens. Le talisman! Quoi, c'est ça une momie? Un vieil épouvantail couvert de bandelettes? Oh là là, c'est Jean de l'Est! Pauvre homme, il a l'air bien mal en point. Je vais lui lécher les mollets. Touche pas à ma momie, le chien! Analyser. Yes. Mes poussières d'ancêtres.
mon copain, toi. Rocky Blitz, croque-mort de père en fils. Mourez, nous ferons le reste, c'est notre devise. Permettez-moi de vous féliciter pour votre découverte. Ouh, superbe défunt, dans un état de conservation exceptionnel. Merci. Quelle technique d'embaumement utilisait-on du vivant du mort? Hélas, cher monsieur, les secrets des pastèques ont disparu avec leur civilisation. Il faudrait étudier la momie qui a sans doute une foule de choses à nous apprendre. Je vous l'achète. Monsieur, la science n'est pas à vendre. Votre prix sera le mien. N'insistez pas, vampire mercantile. Si Melondo a dit vrai, nous savons enfin pourquoi le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp creusait des trous dans le désert. Il cherchait le tombeau du grand ancêtre enfoui depuis des milliers de lunes. Plume de cheval, mon fils, le guerrier qui retrouvera le talisman du grand ancêtre règnera sur toutes les tribus des trois Amériques, du berceau du soleil à son tombeau. Le vieux visage pâle fou qui fait des trous dans le désert a volé le grand ancêtre. Les grands nés doivent reprendre le grand ancêtre des mains des visages pâles. Plume de cheval a parlé. Vous ne devriez pas prendre seul la route de Santa Fe. Jeune homme, je vous répète que ça fait 2 ans que je creuse dans le désert sans le moindre problème. Oui, mais depuis, vous avez trouvé Astico Sec. Plus moyen de rigoler depuis que ce Lucky Luke est en ville. Tiens, voilà le sang mêlé. 100 $ pour tendre une fausse embuscade au vieux fou, ça vous intéresse? Fais toujours voir la monnaie sans mêler. Oh! Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. La moitié tout de suite. Moi aussi, je veux la moitié tout de suite. Ça nous intéresse pas. 1 000 $, je peux vous donner 1 000 $. Mais bon, je les ai pas sur moi. Assieds-toi et raconte sans mêler. Les grands nés reprendront le grand ancêtre des mains sacrilèges des visages pâles. Ainsi, Plume de cheval, votre chef, portera autour de son cou le talisman d'Astico Sec et règnera sur toutes les tribus de la nation indienne. Je rappelle à Plume de cheval que la légende dit que le talisman d'Astico Sec doit aller au plus brave d'entre les braves. Le chef est toujours le plus brave d'entre les braves. Ça se discute. Voyez, jeune homme, j'ai tenu compte de votre conseil. Ce garçon a bien voulu m'accompagner jusqu'à Santa Fe. Son père était un grand nez. Alors comme ça, pas de problème de grand nez. Eh bien, moi aussi, je vous accompagne. Santa Fe est sur ma route. Voilà, on va encore voyager avec une bande de dingues. Je dois aller à Santa Fe pour les clous. Puis-je me joindre à vous? Si vous y tenez. C'est la première fois que je fais un tour en ambulance. Il me faut cette momie. Je l'autopsie. Je trouve le secret des embaumeurs et les rupins se battront tous pour se faire momifier. Fini les enterrements à la petite semaine. Suis-je mauvais tout de même? Oh! Attendez-moi là, je vais voir ça de plus près. Les gens sont si malhonnêtes de nos jours. Mais qu'est-ce que... Lucky Luke! Luke! Professeur, tout va bien? Le talisman, ma momie, la Golden Cross, ils les ont volés. Par où sont-ils partis? Le talisman par là et la momie par là.
Je voulais simplement la mettre à l'abri. Merci, du fond du cœur, merci de l'intérêt que vous portez à ma momie. Laissez-vous. J'ai senti comme un choc. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a-t-il un mouchoir blanc? Oh, tiens, bichou. Lucky Luke demande un pow-wow avec le chef des grands nez. Pow-wow inutile! Ou les visages pâles nous rendent le grand ancêtre, ou ils finissent dans le ventre des vautours. Ma momie! Mon corbillard! Tortue Morose propose une série d'épreuves pour déterminer qui est le plus brave d'entre les braves. Tortue Morose commence à courir sérieusement sur le haricot de plume de cheval. Tiens bon, mon vieux, tu vas t'en sortir. J'ai entendu dire que les Chinois avaient une excellente médecine. Bon, attendez-moi ici, je récupère le talisman, ensuite nous nous occuperons de la momie. Si possible, sans déclencher une guerre indienne. Aujourd'hui commence le règne de Belette Timorée Ier. Alors, pour les épreuves, je propose que nous... Si un autre guerrier veut mettre en doute la bravoure de Plume de Cheval, il ira tenir compagnie à Tortue Morose. Ils vont sûrement l'opérer. Voilà le chirurgien. Le retour du grand ancêtre marque le début du règne des grands nés sur toutes les nations indiennes. Oh! Le talisman! Ces maudits visages pâles ont chouravé le talisman! Qu'avez-vous fait du talisman? C'est Lucky Luke, le grand type à la mèche. C'est lui qui a le talisman, je le jure. Il est parti à Mundane. C'est pas lui, c'est... Il ne doit plus y avoir un seul peinturluré au camp. Profitons-en! Mais pourquoi avez-vous accusé Lucky Luke? Pouvez-vous me tenir 7 secondes, cher ami? Bien sûr. Oh! Vive Belette Timorée Ier, empereur des Trois Amériques! Son Altesse Belette Timorée Ier, Majesté. Vive Belette! À propos, Majesté! Tu nous dois 1000 $. Oh! Lucky Luke! Belette Timorée, redescends sur Terre, tu n'as aucune chance. Bon, ça commence à bien faire. Je sers plus à rien alors. Le gros nez! Oui, posez votre question. Plume de Cheval sait que Mèche en croissant de lune est un guerrier valeureux. Plume de Cheval ne veut pas la guerre. Il veut simplement le talisman du grand ancêtre. Et si Mèche en croissant de lune refuse? Les grands nés mettront la ville à feu et à sang. Donnez-lui le talisman! Bon, c'était juste une question comme ça, pour faire la conversation. Bon, maintenant il va falloir retrouver Radot et lui expliquer que les grands nés ont la momie et le talisman. Je ne vois pas où est le problème. Nous avons rendu aux grands nés ce qui était aux grands nés. Arrêtez d'embêter mon copain, sale flamant rose! Cette silhouette... Oh, le fantôme d'Abraham Lincoln! Gentil chien-chien, va chercher!
Repos complet pendant 3 mois minimum. Nos 1000 dollars! La momie est vivante! La momie est vivante! La momie est vivante! Hé! Hey, mon cheval! La momie est de retour! Elle est pas contente! Où suis-je? Toujours dans le désert. Je n'aurais jamais dû vous laisser seul avec ce scorpion noir de Blitz. Attendez. Excusez-moi, professeur, je reviens tout de suite. Ma momie, sur un cheval. Courir après un corbillard, il ne me l'avait jamais faite celle-là. Ah! Lucky Luke, enfin, je vous cherchais partout. J'étais derrière vous, vous ne l'aviez pas remarqué? Derrière moi, vraiment? Oh ben ça alors! Vous êtes allé chez les Grandets? Oui, ben je leur ai repris la momie et je voulais vous la rendre, naturellement. Je vous sens incrédule. Je vous assure, je l'ai vue! Elle était sur un cheval au galop! Je ne comprends pas! À votre avis, pourquoi Belette Timoré a-t-il voulu voler le talisman, professeur? Il y a 800 ans, Asticosec régnait sur les tribus indiennes du sud de l'Amérique. La légende dit que le guerrier qui retrouvera le talisman d'Asticosec régnera sur toutes les tribus d'Amérique. Rien que ça. Le grand ancêtre est parti. Il s'en est retourné chez ses ancêtres. C'est ma faute. Si j'étais resté, le fantôme d'Abraham Lincoln n'aurait jamais mangé mon copain. Plus jamais j'oserais sortir au grand jour. Le grand ancêtre s'en est allé le cœur rasséréné, car il sait que Plume de Cheval poursuivra son œuvre. Yak, 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 yak. Bientôt, Plume de Cheval sera le chef de toutes les tribus. Plume de Cheval n'a pas raison. Plume de Cheval n'avait pas l'intention de voler le talisman au grand ancêtre. Il pensait simplement qu'il n'en avait plus besoin. Le talisman doit revenir au plus brave d'entre les braves. À Belette Timoré. Belette Timoré? Lui-même. Le grand ancêtre rigole. Belette Timoré est un péteux. Le talisman doit revenir à Plume de Cheval, car il est le chef des grands nés. Belette Timoré n'est pas un péteux. Il aurait dû être chef des grands nés à la place de Plume de Cheval, comme son père, Cerf Dépressif. Cerf Dépressif a trahi les grands nés pour suivre une psychanalyse chez les visages pâles. Bison Roublard, le père de Plume de Cheval, est devenu chef des grands nés et Plume de Cheval lui a succédé. C'est normal. Non, c'est pas normal. Vous voyez, je ne radotais pas. Il y a bien une deuxième momie. Radote, je vous avais dit de surveiller Blitz. Une momie vivante. Oh, quelle découverte pour la science. Avance, cadasson. Ah, tiens, Lucky Luke. Déjà de retour. Alors, cette petite reconnaissance. Ce trou me fait penser que j'ai un petit creux. Oh, oh, mon copain. Il est revenu, guéri. Belette Timoré doit devenir chef de toutes les tribus. Sinon, de grandes catastrophes s'abattront sur la nation indienne. Bof, au point où elle en est. Sinon, je reviens toute la nuit tirer les orteils de Plume de Cheval. Copain, à quoi on joue, dis, hein, hein, dis. Ah, encore ce chien. Tire-toi, sale Gleps. Qu'on massacre ce chien. Ah, c'est Luc Muche. Faut toujours qu'il casse l'ambiance au moment où on s'amuse le plus. Quel rabat-joie. Charmant tableau de famille. Il ne manquait plus que l'ancêtre. Elle est à moi. Je l'ai vue en premier. Je dois l'autopsier. À moi. Ne laissez pas autopsier votre grand ancêtre. À moi. Je suis vivant. Ce grand ancêtre est un péteux. Il a peur du vieux visage pâle. Il ne peut être le grand ancêtre des grands nés. On va en avoir le cœur net. Belette Timoré? Belette Timoré?
Timoré? Je vais aider mon copain à défaire ses pansements. Le talisman a choisi Blaireau Indomptable, le plus brave d'entre les braves. Blaireau Indomptable sera le chef de toutes les tribus indiennes. Laissez-moi sortir! Blaireau Indomptable n'a pas peur que le grand ancêtre vienne toutes les nuits lui tirer les orteils? Le grand ancêtre a seulement parlé des orteils de plumes de cheval, non? Hein? Ah! Le talisman revient, arme de dragon! Castor Clermatique veut lui aussi être le chef de toutes les tribus! Non! Un taureau étourdi! C'est lui le plus brave d'entre les braves! Et si nous rendions le talisman au vrai grand ancêtre? C'est la sagesse qui parle par ta bouche, mèche en croissant de lune. Faisons un beau... Hé! Sortez-moi de là! Maintenant que le talisman est revenu au grand ancêtre, le grand ancêtre doit revenir à la science. C'est le grand ancêtre de qui d'abord, hein? Des grands nez? Alors, il reste chez les grands nez. Mais enfin, vous n'y pensez pas! Sa place est dans un musée! La place du grand ancêtre des grands nez n'est pas dans un musée de visage pâle! Capito! Il y a peut-être une solution qui arrangerait tout le monde. Hé! Sortez-moi de là! Le pauvre, il a fait une rechute. Le musée est un succès, grâce à vous, Lucky Luke. Mais question sécurité, vous ne croyez pas que... Aucune inquiétude, professeur. Les grands nez surveillent. Et se surveillent. Mon cher Blitz, je m'occuperai personnellement de votre remise de peine. Votre idée d'apprendre hors la loi un métier en rapport avec l'activité habituelle du pénitencier est excellent. Surtout qu'à 3$ la pierre tombale, l'administration pénitentiaire se fait un joli petit bénéfice. Oui, on reste dans la tradition. Casser du caillou. I'm a poor lonesome cowboy. Chapeau but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Que d'eau, tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cowboy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part trois hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cowboy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort?
surtout si vous ne me lâchez pas. Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bouge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, cinquième lord du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez, mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis un mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? En moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Manger, c'est du bon sang de cochon tout frais. Millbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis. Elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'O-City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau melon. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, Lucky Luke. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaîne. C'est Pompus le Laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons. C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moins drag crew, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. Le haggis. C'était un bouilli, j'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée, pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pourceaux d'Indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp et des boules comme ça dans gosier. Hé hey! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme crotal en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe? Quatre, habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh...
Bizarre. Les Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers O-City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipeee, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud, pas clair votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je vais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur, oh my god, que me vaut l'honneur. Râteau, postard. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution, mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer, Ostar. Dehors, vous autres! Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my god. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh... Dites. Je ne parle pas au type qui parle au... Moi, je te parle, tête de dingue. Dis-moi une chose, qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après, ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie, mais oh my god, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient, même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my god. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient, en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent pémicans sur la planche. C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du Tartan est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le Laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O-City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double? Oh oh. Grand esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après lamentable défaite de ce matin, âme des anciens criait vengeance. Oh, grand esprit, le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteil de crachat. Demain et bonjour pour mourir. Tes braves massacrer ridicules hommes en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, grand esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Les grands esprits se rencontrent. Ah!
un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mous du kilt? En plus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du Laird sanglant te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh. Il sera fait selon tes vœux, ô cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège! Ah! Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant. Par les culottes de MacGregor, le pauvre garçon s'est fait mal. Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Laissez, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Boutons l'Indien ou trépassons. Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux fungus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Allô? Qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. George, la vache bébé. Assez! Silence! C'est un tourbillon! Y a le feu? C'est ça, vu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! Tapage nocturne! Violation de domicile! Voie de fait! Ça va vous coûter bonbon! Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction! Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas. Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luke? Qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, assis! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachet m'obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au grand esprit. Ne te tracasse plus pour le grand esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Ah! Un fantôme, peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'écorce qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait craché de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Grok, la plus ignoble des Mike Beastly.
On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Honey des McBeastly, la Lee des Highlands, le Laird Pumpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Honey. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen tout ce qu'il y a de civilisé de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi! Ceux qui font mal. Hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey. Fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord. À condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des deux nations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Paddinglock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la troisième mi-temps. Lick-a-lick, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Même pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy.
sheriff of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Voyageurs en transit, l'hôtel est en face pour les correspondances adressées à l'habitant. Ah, l'Ouest sauvage, enfin! Ici, dans ces gros traits neufs, la chance va enfin me sourire, je le sens. Qu'est-ce que ce truc fiche ici, en pleine ville? Ah! 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 Ma chamois! Allons, mon vieux pâtre, reprends-toi. Ce ne sont que superstitions ridicules. Bonjour, ami cow-boy. Qu'est-ce que ce sera, étranger? Indigène de l'Ouest sauvage, je suis venu spécialement de New York, Londres et Paris pour vous présenter en exclusivité régionale le numéro d'hypnose avec lequel j'ai triomphé dans ces glorieuses capitales. 50. Je suis. Deux cartes. Mais regardez-moi au moins. Je peux transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien que par la puissance de la suggestion. C'est ça, et ben transforme-toi en courant d'air et fiche-nous la paix. Crétin culte. Partout c'est pareil. Regardez-moi quand je vous parle. Vous êtes des crapauds, de vilains crapauds baveux. Merci beaucoup. Faudra que tu m'expliques comment tu fais, étranger. J'ai un paquet de clients qui me doivent de l'argent. Qu'est-ce que ce sera? La caisse. Bravo, l'ami. Ton numéro m'a l'air très au point. J'aime bien voir la couleur des yeux de celui qui me parle, cow-boy. J'ai les yeux revolver, l'ami. Moi aussi, je connais quelques tours, l'ami. Depuis que je suis né, tout est comme ça. J'ai jamais eu de chance. Depuis que mon sadique de père, Mortimer Poe, a eu l'idée ignoble de m'appeler Pat. Pat Poe. Enchanté, moi c'est Luke. Lucky Luke. Le Lucky Luke. Luke le chanceux. Pour une fois que je fais un écart de conduite, il faut que je tombe sur Lucky Luke. Sans cette malchance, je serais en haut de l'affiche. Les foules se battraient pour voir mon numéro. Aïe, quelle déveine. Bon. Eh bien, tu vas pouvoir faire ton numéro devant la justice, qui saura rester aveugle, j'espère. Il y a un moyen de les faire revenir à eux. Bof, une claque. Aïe ! Mais pas moi, à eux. Oh, pardon. Est devenu un asile de fous depuis que ce type est arrivé. Pareil qu'il faut pas croiser son regard. C'est pour ça qu'ils l'ont collé au mitard. Ouais, ils disent que c'est du typonie. Du snipoté. Du népotisme. Les gens qui népotisent lui font tout ce qu'il veut. Ce serait bien si on savait népotiser, nous aussi. On pourrait avoir tout ce qu'on veut. Du rap de Fayot, des... On pourrait avoir mieux que ça, crétin. On pourrait népotiniser les gardiens pour s'évader. Tout ce qu'on veut. On pourrait même... Ouah ! Avril ! Ton imbécilité ! Génial ! Berk ! Hé ! Toi, le népotiseur !
Je veux apprendre à népotiser moi aussi. On dit hypnotiser. Ça s'apprend pas, c'est un don. Combien ça me coûterait pour que tu hypnotises quelqu'un? Qui veux-tu hypnotiser? Lucky Luke. Lucky Luke? Lucky Luke le chanceux. Je sais pas pourquoi, mais ce garçon m'est sympathique. Pour Lucky Luke, je le ferai gracieusement, par plaisir. Mais il faut le retrouver et d'abord sortir d'ici. Bah t'as qu'à hypnotiser les gardiens pour qu'ils nous laissent sortir. C'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Le problème, c'est qu'il se méfie maintenant. À la soupe! Eh, chef, c'est normal ce tunnel sous la dalle? Hein? Tu es un vautour, bec crochu, au cou dénudé qui se nourrit de charognes et de détritus, et tu vas m'ouvrir la cellule des Dalton. Vous êtes des cactus. J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Lucky Luke, l'heure de la vengeance a sonné. Hey Joe, il y a Rotoplan qui nous suit. Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions. Être prévenu de notre évasion et il doit déjà être sur nos traces. Pourquoi on va le népotiser, Joe? Hors la loi! Je veux le voir pendu avant de le descendre de mes propres mains! C'est génial, Joe! Si vous voulez que je l'hypnotise, il faut d'abord le capturer. Comment allez-vous vous y prendre? Nous allons déléguer. Bah, ça alors, la foudre? Bah, y a pas un nuage dans le ciel! Oh, c'est pas de peau! Oh, ça va. Les Dalton et pas de peau. Voilà une association qui ne laisse rien augurer de bon. Reste à savoir qui hypnotise qui. Tiens. Une diligence arrêtée au bord de la piste. C'est bizarre. Vide? Où sont passés le cocher et les passagers? Lève les mains, crapule! Oh, obéis, coyote! Les bras en l'air! Il y avait prise. Je suis Lucky Luke et... Nous savons qui tu es, pêcheur immonde. Donne-nous ton arme. J'obéis pour vous prouver ma bonne foi, mais vous faites erreur. Je suis très gentil. Attendons qu'il l'ait désarmé. Une fourmilière! Tu as longé sur une fourmilière! Navré pour les gifles, messieurs, dames, mais il est temps de revenir sur Terre. Les pêcheurs immondes, ce sont les Dalton. Et ils ont filé. Chouette, ils font des équipes pour jouer au ballon prisonnier. J'adore le ballon prisonnier. C'était les derniers. Tu crois que ça va marcher cette fois, Joe? Contre une ville entière, même Lucky Luke ne pourra rien. Où est cet imbécile Lavrel? Il s'entraîne pour être nipotiseur. Yeah, rôti de porc avec du jus. Allez, le népotiseur, à toi de jouer. Regardez-moi tous dans les yeux, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un moucheron dans l'œil. La ville est déserte, ça sent le piège à plein nez. J'aime pas ça. Menteur, tu adores ça. Allez, saute! Oh! Ah, capturer Lucky Luke. Ça
ça va être difficile de tous les gifler, Cowboy. Voyez, bouille, ton compte est... Mais c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Ils ont de drôles de coutumes par ici. Je savais lire. Ah, c'est un effet secondaire. Quand ils restent hypnotisés trop longtemps, les patients finissent par s'endormir. Il y en a même qui se réveillent jamais. Ah, tout de même, ils se décident d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Dors, je le veux. Dors. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Dors. Oh, et puis je m'en fiche. C'est pas ce grand épagnol breton qui va gâcher ma sieste. Joe! Joe! Ça y est! Je suis une hypnotiseur! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je les ai tous endormis! Je pensais pas avoir un pouvoir aussi grand! Changement de programme! Tu vas m'hypnotiser pour que je tire plus vite que Lucky Luke! La plaisanterie a assez duré, on va reconduire tout ce joli monde à cette passoire qui sert de pénitencier. Te voilà, Joe. J'étais sûr qu'il reviendrait. Vas-y. Tu tires plus vite que Lucky Luke. Moi aussi, je sais nipotiser. Pourquoi il veut pas que je le nipotise? Tu tires plus vite que l'homme qui tire plus vite que son ombre. Dégaine, Lucky Luke! Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu as de la chance, tu as plus de chance que Lucky Luke! Plus vite que lui, Joe. C'est vrai, Joe. T'as jamais tiré aussi vite. Par contre, tu tires toujours aussi mal, Joe. C'est pas vrai. Il a désarmé Lucky Luke. Mais pourquoi tu l'as pas descendu, Joe? Mais je voulais le descendre. J'ai visé tout le temps entre les deux yeux. J'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Haut les mains, Pato. Ne fais pas l'idiot. Tiens, mais c'est Luc Muche. En temps plan, non. Il est content de me voir, ça fait plaisir. Tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke. Maintenant, la chance est avec moi. Il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Suis-je une crapule, Lucky Luke? Pourquoi faire confiance à un étranger alors qu'il y a un hypnotiseur dans la famille? La pire des crapules. Ça marche pas, je comprends pas. Recommence. Tu es un assassin soiffé de sang, Lucky Luke. Tu es un malchanceux, un lent, un pauvre type, un imbécile. J'y arrive pas. C'est parce qu'il sait hypnotiser lui-même qu'il peut plus hypnotiser les autres. Moi, je peux, mais je le ferai pas. Moi, je vais t'inotiper avec du plomb, moi. Attends, Joe, laisse-moi faire, Joe. Tu vas voir. T'es une vache, Lucky Luke. Une grosse et belle vache. T'es une belle vache. Une superbe vache à lait. T'entends, Lucky Luke? Mmh.
faire la bête dans les pires situations. Et Patpo, on l'attend pas? On n'a plus besoin de lui! On a Avril! Le Milou! Fais le Milou maintenant! Avril, arrête! Tu le nipotiseras quand on sera à Creepy Gulch! À Creepy Gulch? Qu'est-ce qu'on va faire à Creepy Gulch? On va attaquer la banque! Ah, enfin! On va pouvoir se dégourdir les Colts! Pas nous, William! C'est Lucky Luke qui va attaquer la banque! La vengeance des Dalton est en marche! Oh, on s'en va déjà? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine! Encore un os. Encore un as. À quoi me sert une chance pareille si elle me fait perdre mon don d'hypnotiseur? Quand je peux hypnotiser, j'ai pas de chance, et quand j'ai de la chance, je peux plus hypnotiser. Et c'est pas de chance d'avoir de la chance. Là, le népotiseur, le complice des Dalton. Prendons-le! Ouais! Avril va t'hyptoniser en bandit, Luke. Tu vas dévaliser la banque de Creepy Gulch et sonner qu'un début. Ta tête sera mise à prix dans tout l'Ouest. Tu vas connaître la peur et finir à la potence. Et ce jour-là, Lucky Luke, je serai là, au premier rang. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot. Miaou. C'est quelle langue, ça, déjà? Ça me dit quelque chose? Mais Joe, si Lucky Luke devient un bandit, personne pourra l'arrêter. C'est vrai ça, Joe. Les plus grands bandits de l'Ouest, ce sera plus nous, mais lui. Si tu veux, Joe, je nipotise son revolver pour qu'il tire mal et lentement. Je sais! On va l'opniposer en trouillard, en péteux, en foie jaune. Pour la postérité, il sera Lucky Luke le pétasseur! Tu vas chercher tout ça, Joe. À toi de jouer, Avril. Tu as peur, Lucky Luke! Tu es un trouillard! Je suis un trouillard. Ah, comme j'ai la trouille! Dis-lui d'avoir peur de son ombre! Tu as peur de ton ombre! Ah, mon ombre! J'ai peur! J'ai très très peur! Quel piètre acteur! Faut pas qu'il compte faire carrière. À moi! C'est moi qui l'ai hypnotisé! Et j'ai même pas le droit de jouer avec lui! Bouh, Lucky Luke! Bouh, Joe! C'est bien fait. T'avais qu'à pas prendre mon tour. On va jouer à un autre jeu maintenant. Vous allez directement en prison sans passer par la case départ. C'est une chance incroyable d'avoir trouvé une gourde pleine d'eau et un cheval plein désert. Mais moi, ce que je voulais, c'est être une étoile du musical. Et si je peux plus hypnotiser jamais, mon nom ne brillera au firmament. Jamais je ne connaîtrai la gloire et la renommée. Je ne suis plus qu'un pauvre minable qui a de la chance. Vous êtes pas de poule hypnotiseur? Oui. Quelle chance de vous trouver enfin! Mon nom est Jim Vénard. Je suis impresario. Et j'ai pour vous un contrat, mais alors mirobolant. Vous vous produirez dans toutes les capitales du monde devant un public énorme. Complètement ma boule, ce type! Aucun avenir dans le show business! Joyeux anniversaire, chérie! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chérie! Joyeux anniversaire! Merci, mes amis!
jolies ces excursions, mais quand est-ce qu'on pique-nique? Je voudrais parler au shérif. J'ai besoin d'enfermer les Dalton quelques heures dans votre prison. J'ai un cinquième larron à récupérer. Les Dalton dans ma prison? Mais c'est terriblement dangereux! Mais non! Désarmés et enfermés, ils ne peuvent rien contre vous. Oui, mais ils vont s'évader! Vous êtes bien placés pour savoir qui s'évade tout le temps! Si vous les surveillez, ils ne s'évaderont pas. Y'a que ça qui me calme! Pour un anniversaire, c'est un anniversaire! Pour un pique-nique, c'est un pique-nique! Un canari, vous êtes un charmant canari qui vient de s'échapper de sa cage! Tu es un petit canard? C'est un canari, cuit, c'est mon gros gigolo. Oh oh! Il est rigolo. J'ai dans la peau. Merci, merci, merci! Hein? Quoi? Allez, pas de peau. Tu continueras ton numéro au pénitencier. J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça! J'en ai marre de casser ces cailloux idiots! Si tu veux, Joe, je peux nipotiser les cailloux pour qu'ils se cassent tout seuls! C'est ta tête que je vais casser, imbécile! Et tâchez de ne plus vous faire changer en animaux de la ferme par cette espèce de cinglé du musical. Ne vous inquiétez pas, Luc. On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite. Le seul qui résiste à l'hypnose. Merci, merci. Public adoré. Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. À la purée! Allez les Dalton, pensez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton! La ferme à vrai, j'ai un plan. Et voilà, du béton armé. Wow! Quel talent, Joe. Jack, finis les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? 10 somnifères pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, pot de colle. Babal. Allez, mange, crétin de cabot. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai!
Oh! Zut! Trop court! Enlevez vos vêtements! Purée, si c'est pour s'évader par la fenêtre. Où est Avril? Le somnifère! Cette imbécile a mangé le somnifère! Évadé, stop, à tout de suite, stop et fin. Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah. C'est le seul état où nous ne sommes pas encore recherchés. Chance, good fellow! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado! Du chanvre t'y attends! Au revoir, les pigeons du Colorado! Bonjour, les poires de l'Utah! Évasion classique, lime cachée dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rentemplin. À manger, rentemplin? Ah, fumée de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les quatre musiciens sont partis en tournée. Non, rentre en plan, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez! Là, Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là, il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas. On va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague. Nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, blanc bec. Bah, qu'ils ont mis la prison. Bonjour, monsieur. J'ai une de ces faims. Quoi, ce tonneau de pognon? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres! Bravo! Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande deux doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bah, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention, les gars, c'est de l'argent donné. Oh, Aurel s'est rendormi. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack, William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée.
Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable, quelle chance j'ai. Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau et après, c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourra les suivre les yeux bandés. Charity Creek, son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclaré d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost, mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un vieux, un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets et faim. Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo, bravo. La quête, c'est le moment. Ah, je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés. Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche. Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici. Aucune charge n'est retenue contre nous. Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte. Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces croûtes de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis. C'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres. Bravo, quel splendide repentir, c'est beau. Je savais pas tout ça. On me dit jamais rien, moi. Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. Youpi! Ça marche! Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luke. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est bon! C'est beau comme du bon pain. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes impur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance.
Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat. Vous avez raison, unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement, vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien. Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et quatre Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de deux jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon. T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire, la vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Hé, vous avez vu? Il n'y a pas de barreau. Avril, la ferme! Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut prendre Avril. Il dort comme une souche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie, quel charisme. Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot. Oui, le bon chien-chien. Donne la papate, le bon chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Ah, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc. C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y'a rien de mal à faire le tronc. Pas très charitable comme jeu, non? Détrompez-vous, mon ami! J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh! C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisante. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous. Et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez? Ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux au cas. Ta-ta-ta, j'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche? Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter? Oh, moi, je chante à l'église, mais pour un spectacle, je... Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, 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 nous, on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si! Moi, je sais bien chanter. Nous sommes les frères jumeaux. Après le coucher, dors! Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke! La chanson des bagnards repentis, ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres, on les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke! Lucky Luke! Vas-y, Jack! Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Joe. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète?
nous sommes des bandits pour nous parvenir. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et quelle mélancolie dans cette opérette. Nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Si continuez de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez-vous aussi au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nous battre à Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci, merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudra le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Moi. Je m'en occupe. Sous la scène, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics. Bravo! J'ai pas compris le message. C'est sûrement de la mandiale. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, ben moi aussi. On a eu la même idée. Encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luke, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Mais si le public s'interpose, Joe? On descend le public. Deux, trois, quatre. Nous sommes des bandits pour nous battre paradis. C'est le plus beau jour de ma vie. Pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Car notre repentir pourra tout repartir. Grâce à le malhonnête. Il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec la recette? J'étais disposée à partager entre ses pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe. Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps. Qu'est-ce que j'ai raté? Ce liquide à l'eau, c'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qui ont faim dans le monde.
I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Retourner. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint-Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Désolée, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, beau brun. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grani. Vous en avez entendu parler? Non, désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or. Et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Silverton, on est arrivé. Je peux vous aider, ma'am? Non, moi, madame. Moi. Prenez ma main, madame. Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te laver ma main dégueulasse sur ta figure. Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, ma'am. Non, moi. Non, moi. Moi. Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, c'est avec supplément, hein.
sans punaise et avec baignoire. Il peut y avoir un tonneau vide dans la remise, on peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie! Les cieux est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête? Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde! Allez à la queue! C'est beau, t'es propre, à mon tour! Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua? Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancée, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà! T'as vu Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. T'veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qu'ils attendaient. Oh. Oh. Je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. Ce soir à Bert. Vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, l'eau. Ça me tente pas, swear. On connaît personne. On a d'abord brisé la glace. Et voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick O'Halloran. Elle vaut son pesant d'or. Bordel! Je crois que j'ai le coup de foudre! Pour une belle fête, c'était une belle fête! Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi! Et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds! Non, moi, j'en ai plus que lui! J'ai des pépites grosses comme ça! Elles sont pour vous! C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi! Je mets ma parcelle à votre nom! Mon or et la montre en argent de papa! Moi, j'ai rien, mais je vais en trouver plein! Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors? Je me suis bien fiancée 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous! De quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis. Hé, Miss Bellingham, hé, Miss Yelverton. Eh bien,
Je plains les frères O'Grani. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivi. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron à l'Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures. Impossible de passer. Dire que la Californie et la ferme des O'Grani ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. C'est imiter le cri d'un bébé, là-bas, mais... Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à l'Alabama. Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant à l'Alabama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et deux. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle... Humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. Sans navet, lynx libidineux. Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je l'étrie de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Allons, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mise à prix, 1 sac de pépites. 2 sacs de pépites. 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites plus mes dents le nord. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5 6 balles en plomb de ce colt. Attention. Le beau gosse! Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux! On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein. Vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit! Il nous a sauvés 3 fois! Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Il nous faudra au moins 2 hommes en plus.
Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Ah ! Ouais, pouviez pas mieux dire. Qu'est-ce qui leur prend ? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. De là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, au lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouchée. Tu as fait quelques amis à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Ô grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. La 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 la. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Vois pas qu'ils font tout à l'envers. Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon, puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de Marc restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, lombric indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers, leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort!
raison. Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Eh, hey, vous n'allez pas nous laisser ici. On a eu quelques différends, mais aussi de bons moments, non? Jolly, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly! Thomas O'Grany, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Eh ben, on dirait que vous êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Et on ose parler de ce que c'est fait. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos... Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? Au moins, avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Eh non, 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 je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus! Comme au pays, Molly! Comme au pays, Connie! Yeah! C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le six coups périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. On m'a demandé de venir discrètement. Je suis Lucky Luke. Je suis au courant. Monsieur Luke est arrivé! Merci d'avoir accouru. Figurez-vous qu'on vient d'arrêter Smiley Bang Bang Lofter. Le détrousseur du Nebraska? J'ai déjà eu le bonheur d'arrêter cette crapule, mais les juges le libèrent toujours, faute de preuves. Ou de témoins. Cette fois-ci, on en a un. Il s'agit de ne pas le laisser nous claquer dans les doigts. Le professeur Oscar Tiny Boots, un New-Yorkais qui se trouvait là pour une conférence sur les escargots, l'a vu tirer sur un coyote près de Kansas City. Qui est la victime? Un coyote, je vous l'ai dit. Le coyote est une espèce protégée au Kansas. Sinon, les moutons proliféreraient.
Avec le témoignage de Tiny Boots, le tribunal de Saint-Bob peut lui coller 67 ans. Et vous voulez que j'escorte votre pied tendre jusqu'à Saint-Bob? Très juste. Et vous aurez fort à faire. On murmure que Lofter a lancé un contrat de 5 000 $ sur la tête de Tiny Boots. Mais venez que je vous présente. Oscar Tiny Boots. Je suis si excitée de faire votre connaissance. Je suis Mini Tiny Boots. Lucky Luke. Et voici Oscar. Oscar? Darling! Voyons, ne fais pas l'enfant. Oscar, tu fais ton devoir. On ne revient pas là-dessus. Je veux pas y aller. Tu es de la trempe des héros, Oscar. Ton nom restera inscrit au panthéon des grands hommes de l'Union des bienfaiteurs de l'humanité. Et puis, Monsieur Luke nous accompagne. C'est lui notre escorte? Lui tout seul? Lui tout maigre? J'y vais pas. Lucky Luke est le meilleur tireur de l'Ouest. Montrez-moi comment vous êtes le meilleur tireur de l'Ouest. Formidable! Ah, un fusil à 3 000 $. Pour trouver des pièces, vous êtes fort. Mais qu'en est-il des innombrables tueurs à gages qui me menacent? Oscar, tais-toi. Hey, en route, nous vaincrons. Parce que vous venez aussi? Oscar et moi, c'est à la vie, à la mort. Plus on est de fous, moins c'est discret. J'ai pensé à un stratagème. Vous vous joindrez, déguisé en soldat, à une compagnie de cavalerie qui doit rejoindre Fort Bob. Déguisé en soldat, c'est une idée complètement irrationnelle. Chut. Ce convoi va nous emmener à Saint-Bob, beaucoup plus vite qu'à cheval. Tâchons de ne pas attirer l'attention. Je suis malade. Ce train est rempli de germes. Je veux rentrer à la maison. Il a le mal de train. Ça arrive. Oscar, un héros n'a mal au cœur que quand une balle le traverse. Oscar? Non, ça ne va pas. Je me meurs. J'ai la dysenterie, le choléra, la peste. Je suis en phase terminale. J'agonise. C'est fini. Le respect, Miss. La place est libre. Qu'est-ce que c'est que ce point? Garde à vous! N'êtes pas alarmé pour rigoler! Ah, ça va mieux. Oh, oh. Salut, sirez les bâtards tout le régiment! Ça vous apprendra! Allez, plus vite que ça! Vous dresserez, moi! Moi, un spécialiste mondialement reconnu, cirer des bottes puantes pour des primates en uniforme. Tu peux le faire, Oscar. L'homme sort grandi des épreuves du chemin de la vie. Il va lui en falloir des épreuves avant d'atteindre une taille normale. N'arrive pas à l'enlever, mon lieutenant. Aidez-le! Un homme à la mer. Après cet exploit, mieux vaut pour vous continuer à cheval. Je vais le tuer! Tu crois que c'est un ordre ou bien... Ils sont déserteurs! Je suis malade! C'est le mal de cheval, ça arrive. Bon, on fait une petite halte et on repart tranquillement au pas. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux qu'au galop, Oscar. Non, ça ne va pas aller mieux. Je vais retourner à New York. J'exècre toute cette nature hostile, pleine de chevaux, de militaires. Elle vous le rend bien, monsieur le cuistre. Oh,
quel stupide animal que le cheval. Un escargot ne ferait jamais ça. Ah. À couvert, vite. Rends-toi, toi. Rendez-vous, vous, déserteurs. Allez, Oscar, défends-nous. Tu es un héros, quoi. Mais pas du tout. Je suis tout le contraire d'un héros. Et je ne veux certainement pas en être un. Oscar, ne me déçois pas, ou tu le regretteras. Allez. Je me suis pincé. Évacuez le blessé. Je m'occupe de nos arrières. Aïe aïe, sœur. Nous allons couper par le désert. Il vaut mieux éviter les villes où des tueurs peuvent vous attendre. Et pour ne pas laisser de traces, une vieille ruse indienne. On attache des branchages derrière les chevaux. C'est passionnant. Mais nous n'allons jamais trouver de chambre d'hôte dans le désert. Nous dormirons à la belle étoile, comme des bêtes. J'ai chaud, j'ai soif, je suis fatigué. J'ai mal aux fesses. C'est le mal du désert. Ça arrive. Nous allons mourir dans ce désert ridicule. Les charognards s'arracheront nos carcasses encore chaudes. Je ne reverrai jamais mes escargots, leurs bons gros yeux baveux. Je rentre à New York. Oscar, affronte le monde. Sors de ta coquille. D'autant que l'implacable Lanky et le lieutenant Stubborn le suivent à la trace. Dans la nature, un fugitif laisse des indices visuels, sonores et olfactifs. À New York, quand on cherche quelqu'un, suffit de demander. Oh, les lâches ! Aurais-tu imaginé cela, Oscar ? Nous deux, chevauchant dans le désert, tels Samson et Dalila, des tueurs à nos trousses, en compagnie d'un cow-boy rugueux. Solitaire. C'est un de mes cauchemars récurrents. C'est fabuleux! En dessous de 80% d'humidité, l'escargot ne peut pas vivre! Cet escargot est un mutant! À propos d'escargot, il faudrait peut-être activer le rythme. L'escargot du désert! Je te baptise Tiny Butus Deserticus! Je vois, vieille ruse indienne. Branchage coupé il y a environ 1h42, dissimulant approximativement les traces de 3 chevaux, dont un peu chargé. Classique. C'est pas une vieille ganache qu'on apprend à sentir le crottin. Cheval ou bison? Si, si, il y en a forcément d'autres. Oscar, je vous rappelle que vous êtes en danger et que le temps presse. M'en fiche! Cette découverte est plus importante que tout au monde, même moi. La grande aventure de la science. Qu'y a-t-il de plus exaltant? Qu'attendre de plus de la vie? On ne bouge plus, les déserteurs! Les ennuis. Écoutez, nous ne sommes pas des soldats. Je suis Lucky Luke, envoyé du gouvernement, et nous sommes en mission secrète. Bien sûr, et moi je suis un lapin. Ah bon? Nous devons rejoindre Saint-Bob, c'est vital. Vous devez rejoindre votre cantonnement. Vous passerez en cours martial équitable avant d'être fusillé. Là, un autre. Hein?
Ah non, c'est un caillou. Enfin un indice sérieux. Désertion, refus d'être fusillé, ligotage de supérieur, vous serez fusillé. Mais vous serez fusillé par derrière. Et la tête en bas. Ok, on se revoit et on en parle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Déserteur! Rends-toi! Je t'arrête! Viens ici! Viens te battre! Voilà! Je te fuis, goutte! Pleutre, couard! Étonnant phénomène météorologique, ces petits nuages. Ces signaux de fumée signalent notre présence. Nous longeons le territoire des Indiens cerfs-volants. Des Indiens ! Ils vont nous manger ! Les Indiens ne mangent pas les gens. Et les cerfs-volants sont pacifiques, en principe. Toutefois, comme il vaut mieux ne pas réveiller le guerrier qui dort, nous contournerons leur terre en passant par Olmos Gulch. De toute façon, il faut se ravitailler en eau. Tous les quatre. Ah, les écuries. La ville n'est pas loin. C'est la ville. Attendez-moi ici, il risque d'y avoir de rude gaillard là-dedans. Mais Oscar sait être rude gaillard quand il veut. Montre à Monsieur Luc comment tu fais ton rude gaillard. Ah! Wow. Qu'est-ce qu'il a à marcher comme ça, le pied tendre? Y suis-je de nous? Limonade, et remplissez-moi ça. Je prendrai une infusion. Quelle puanteur ici! Il y a des normes d'hygiène! La propreté n'est pas une question de moyens, mais de dignité! Des chaudrons et des plumes pour les cornes vertes! C'est l'hygiène de chez nous! Ouais, des chaudrons et des plumes! Ne touchez pas, je suis New-Yorkais. On s'en va. Quelle bonne surprise. Je venais me ravitailler, mais je pensais pas tomber sur vous. Approche, Tiny Boots, si tu ne veux pas devenir veuf. Mais si j'approche, c'est elle qui sera veuve. Quel dilemme. Léo, ils sont à nous. Ah non, j'étais là avant. Je suis parti de New York. Fallait le dire tout de suite que t'étais un pied tendre aussi. Coudrons les prunes pour tout le monde, les gars. Ils sont déserteurs. Yeah. Rejoindre Saint-Bob au plus vite. Avec tout ce monde à nos trousses, on va couper par le territoire des cerfs-volants en essayant de ne pas attirer l'attention. Si ces Indiens sont pacifiques, je n'aimerais pas en rencontrer de belles liqueux. Il y a forcément une explication. Je vais parlementer avec leur chef. Ils ont l'air affamés. Oh, regardez! Des Tiny Boutus Deserticus. S'ils aiment les escargots, ils ne peuvent pas être méchants. Castor Froncé, notre chef. Nous avons trouvé ces trois visages pâles. Qu'on les scalpe. Mais enfin pourquoi? Les cerfs-volants sont en paix avec les hommes blancs. Parce que nous sommes des lumières massacrantes. Voyons, mon ami, que se passe-t-il? Vous avez eu une contrariété, c'est cela? Racontez-moi. Tiny Boutus Deserticus. Le grand Roudoudou est devenu fou. Il ne tient plus en place. Le sorcier ne peut plus lire les présages dans ses traces de bave.
C'est un parasite. Ça s'opère. Le petit homme aux yeux de verre est un grand sorcier des roux-doudous. Il peut soigner le grand roux-doudou. Bah voyons, qu'on escalpe. Attendez, regardez. Il l'a recueilli tout sec, plein de contusions et de fractures, et il l'a guéri. Très bien. Que le petit homme médecine soigne le grand roux-doudou. Et si vous échouez, vous allez en baver. Mais je n'ai pas de matériel pour opérer. Faites avec les moyens du bord, c'est notre seule chance. Donaille, écartez. Là, plus à droite, vite. Épongez. Il bave beaucoup. Il transpire. Tomahawk. Sabre. Silex. Pelle, vite. Écartez plus. Il faiblit. Vite, éponge. Je vois le parasite. Non. Oui, tapez vite. Je l'ai eu. Mini, tu peux recoudre. Il est tiré d'affaire. Vive le petit homme médecine. Grâce à vous, les cerfs-volants ont à nouveau un avenir. Comme un long fleuve baveux. L'homme à plume arpentait le territoire du grand roux-doudou. Eh, je cherchais juste trois visages pâles. Un petit, un grand et jusqu'au haut de la ville. Ami ou ennemi? Mais ami? Bon visage pâle. Un escargot? Oh, sale bête! Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Bob, on est arrivé. Déjà? Plus qu'une rue avant le tribunal. Tu es à 200 mètres d'être un héros, Oscar. Un héros posthume? Sorti héroïquement. Ah, c'est pas vrai. Eh bien, dans ce cas, on ne peut plus y couper. Shérif, allez chercher le prévenu. Le procès va commencer. Comme ça, c'est fait. Silence! À ma gauche, le prévenu Smiley Bang Bang Laughter. Silence! À ma droite, le témoin Oscar Tiny Boots. Silence! Ou je fais évacuer la salle. J'appelle à la barre Monsieur Oscar Tiny Boots. Monsieur Tiny Boots, qu'avez-vous vu? Qui, moi? Mais rien du tout, j'y vois rien, j'ai des lunettes. Oscar! Courage, Oscar. Avez-vous déjà vu Monsieur Laughter ici présent? C'est possible. L'avez-vous déjà vu? Oui, je crois, enfin, je... Oui. Non, et que faisait-il? Il a tiré sur un coyote. Je l'ai vu. C'est mal. Mais il ne l'a peut-être pas fait exprès. Smiley Laughter est condamné à 67 ans de prison. Jugé. Ça, c'est de ta faute, incapable. Je lance un contrat de 20 000 $ sur la tête de ce crétin de Lanky. Mais voyons, Smiley. Mon titan. Eh oui.
Oscar a vaincu Goliath. Bien, maintenant que ce détail futile est réglé, si nous nous occupions de choses sérieuses et que nous retournions étudier le Tinibutus Deserticus. Mon amour, tout ce que tu voudras. Seul ? N'est-ce pas dangereux ? Mini, voyons, qu'as-tu à redouter ? Tu as épousé un héros. N'est-ce pas, monsieur le... Et où est-il ? I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'ai calculé que les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois. Je serai à la retraite, moi, d'ici là. Bon alors, vous avez compris? Au début, on saute comme ça, l'air de rien. Et puis, discrètement, on va de plus en plus haut. Et quand on est assez haut, paf, on plonge par-dessus le... Ah! Je mangerai bien des brocolis. Il est midi aujourd'hui, c'est brocolis. Hein? Les gars, je suis devin. J'avais deviné qu'on aurait des brocolis. Vive le pouvoir de mon esprit. Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite. Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler. Gagné. Calme, Joe. Jaloux. T'es jaloux du pouvoir de mon esprit. Assez charmante danseuse, à la cuisse velue mais légère. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos pensionnaires les plus célèbres dans un numéro surprise. Voici les Dalton. Bravo, ouais, bravo, yeah. Où est encore passé cet imbécile d'Avrel? Il veut faire son propre numéro, une surprise qu'il a dit. Tant pis, on s'évadera sans lui. Cher canaille, cher racaille, le numéro que nous allons vous présenter s'appelle l'envol des ballerines. Ouais ouais.
Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton. Les Kilik! Encore les Kilik! Toujours les Kilik! Du calme, Joe! Les Kilik! Je veux lui faire la peau, moi, cet empêcheur de s'évader en bon! Tala! Je suis le grand mage Averell Ishnou Daltonipu. Approche, petit homme colérique. Laisse-toi guider par Averell Ishnou. Yappé, lâche-moi, imbécile. J'aimerais un autre volontaire. Oui, vous, là-bas, le jeune homme à la chemise jaune. Hein? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro. Non, pas lui! Pas lui! Et maintenant, le grand mage Averell Ishnou Daltonipu va, sous vos yeux, ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit. Ça risque d'être long. Je fais le vide dans ma tête. Te fatigue pas, Averell. C'est déjà fait. Menotte, ouvrez-vous. Sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré. Détachez-moi. Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant. Mais bougez-vous, bon sang! Allez me chercher la clé! La clé? Mais quelle clé? C'est pas à nous, ces menottes-là! La clé, hein? Où tu l'as mise, la clé, hein? Essayez de vous rappeler. Elles viennent bien de quelque part, ces menottes. Attendez, attendez... Ah! Oui, ça me revient. Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck... Ah non! Non, Long Neck, c'est ça, Long Neck. Il voulait me vendre des menottes. Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles. Indestructibles. Ah, oh, ces charlatans, ils vendraient des pains de glace à un Esquimau. Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Long Neck et qu'Averell les a ramassées. Bref, on ne retrouvera pas la clé. Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça? Yeah! J'abandonne. Ça alors, il disait vrai, elles sont bel et bien indestructibles. Je ne vois qu'une solution, le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrai bien le cou à ce Long Neck. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres les mules, on est un peu pantouflardes. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première case, je te descends. De mener à bien son prodigieux dessin qui lui ouvrira à grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche. Calmez-vous, général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous, vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier indestructible. Oui, militaire, vous avez bien entendu, indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon. On peut pas rester là sans rien faire. S'évader? Sans Joe?
Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars. En l'absence de Chucky, nous deux l'étrangle. Suzanne, ouvre-toi. Abri, abracadabro. Bah allez, Suzanne, tu vas t'ouvrir, oui ou non? J'ai réussi. Hé, les Dalton, comme vous avez un lit libre, je me suis dit qu'on pouvait... Marché, je suis fakir. On n'aura pas de mal à les retrouver, il n'y a qu'à suivre les traces. Alors Joe, on se dégourdit les jambes? J'y arriverai, Luke, je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais, y a qu'à suivre les traces. Et alors, tout le monde peut se tromper, non? Aïe! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe, grâce à mon pouvoir. Je vois... Je vois un désert tout noir. Je vois Joe. Oui, c'est Joe. C'est lui. Oh, Joe, c'est moi. Il me fait bonjour aussi. Oh. Mais voyons, Joe, c'est seulement pour savoir si notre homme y est passé. On ne reste pas. On est complet. Oh. Nous cherchons un certain Longneck, un vendeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas. Oui, oui, il est passé, monsieur, il y a 2 jours. Il est parti vers l'ouest. Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe! Arrête, imbécile, tu vas nous faire repérer. Joe! On va passer la nuit ici, et demain, on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars? Il y a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ah, ça, c'est quoi? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture! Alors, Joe, bien dormi? Je t'aurai, Luke. Halt! Qui voilà? Salut, l'ami. Je suis à la recherche d'un... Mais... Oh. Lucky Luke, vous êtes Lucky Luke. J'en reviens pas. Vous me connaissez? Vous êtes mon idole. Je ne manque pas une seule de vos aventures. Etc. Hein? Attendez, bougez pas.
Vous allez me signer un autographe. Je m'appelle Hank, Hank Hornet. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire. Il est bizarre, votre ami. Oh, juste un peu farceur. J'y arriverai, je le tuerai. Et pour ce long neck, allez donc voir à Rob Gulch. C'est un point de passage obligé, on y passe et on y trépasse. Merci, Hank. Allez, Joe, en route. Bonne chance. Rob Gulch, pendaison à toute heure. Je te conseille de te tenir tranquille, Joe. On a la corde sensible dans ce patelin. C'est moi, Joe Dalton. Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest. Et je suis avec mon complice, on s'est évadé. Pourquoi tu joues, Joe? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre. Et s'ils te pendent, tu seras mort. Et moi, eh ben, j'irai danser sur ta tombe. Réfléchis un peu, Joe. Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien. Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi. Hein? Rendez-vous. Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu. Ne tirez pas, shérif. Mon nom est Lucky Luke. Je ne suis pas un hors-la-loi. C'est ça. Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison. Qu'est-ce que je fais? Dommage. J'avais une corde toute neuve. Rien de cassé, Joe. J'y arrive. Je tuerai Lucky Luke. Alors, pas trop peur? J'ai revu défiler toute ma vie. Ça calme la faim de faire semblant. Tu veux une cuisse? Je vais l'étrangler! Vous sentez, les gars? Quoi? Les patatons là! Par ici! Cherche, Avril, cherche! Calme, Avril, calme! Je me demande où peut être ce long neck. Quand je t'aurai tué, je le tuerai aussi. Un peu de lardon avec tes patates, Joe? On va les prendre par surprise! Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi? Une armure pour te faire la peau. T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerai, je te tendrai le cou. Pas bête. Eh oui, tu as raison, l'armée. Allez, en selle, Joe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés? On attend et on observe. Oh! Il en reste un peu sur les pierres. Il y a des fois où il me fait vraiment penser à Rantanplan. Hé, hey, soldat! Mon nom est Lucky Luke. Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Circulez. Ça va de se faire tirer dessus à la fin. À la garde! À la garde! Lucky Luke, vous avez dit Lucky Luke. Oui, mon général, c'est ce qu'il a dit. Il est à la recherche d'un vendeur de menottes. Lucky Luke, personne, vous entendez? Personne, et encore moins ce civil, ne viendra contrecarrer les plans de Custer. Calmez-vous, général, il ne peut rien soupçonner. Vous croyez? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland. Je mettrai à genoux tous les Esquimaux. Et après, je prendrai en tenaille le Canada. Et en tenaille. Quelque chose me dit que Longneck est dedans et j'en aurai le cœur net. Je serai pour toi un poids mort. Thank you.
Tu es fait, Luc. J'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Votre chili con carne, monsieur Longneck. Bien pimenté, comme vous l'aimez. Avril, fais-nous la courte échelle. Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle? Longneck, je présume? Ah! Mon nom est Lucky Luke, et voici Joe. Mais sortez-moi de là! Ils sont tous complètement fous! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot. Complètement fous! Ah non, ça n'a aucun avenir, ce genre de choses. Alors que les menottes... À propos de menottes, vous avez la clé? Non, désolé. C'est le général qui les a. Là, Joe, tu as eu une idée de génie. Ça alors? Ça doit venir des fils de haricots verts. Sortons d'ici. Joe? Joe? Je vais y arriver! Oh, je vais y arriver! Comment on arrête ça? C'est quoi ce vacarme? Chut! Au silence, surtout! Au silence! J'ai l'impression qu'on recule. Mon char. Où est mon char? Il faut que je vous dise, général. Il semble que mon alliage ait un léger défaut dans sa cuirasse. Quand on met du tabasco, il fond. Aucune importance, mon général. On ne trouve pas de tabasco au Groenland. Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver. J'y étais presque. J'y étais presque. Tu me manquais, Joe. À nous aussi, Joe. Moi, cette balade m'a donné faim. J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison. Tais-toi, Avril! I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. À la purée! Allez les Dalton, pensez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton! La ferme Avril, j'ai un plan.
armée. Wow! Quel talent, Joe! Jack, finis les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? Du somnifère pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, pot de colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Enlevez vos vêtements. Hey Joe, pourquoi on a sculpté des cols en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre? Où est Avril? Le somnifère! Cet imbécile a mangé le somnifère! Monsieur Luc! Hey, monsieur Luc! Dalton évadé, stop, à tout de suite, stop et fin. Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah! C'est le seul état où nous ne sommes pas encore recherchés! Chance, good fellow! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado! Du chanvre t'y attends! Au revoir, les pigeons du Colorado! Bonjour, les poires de l'Utah! Évasion classique! Lime cachée dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rentemplant. À manger rentemplant? Ah, fumée de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les quatre musiciens sont partis en tournée. Non, rentemplant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez, là, Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là, il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas. On va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague. Nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, blanc bec. Bah, qui ont mis la prison? Bonjour, monsieur. J'ai une de ces faims. C'est quoi ce tonneau de pognon?
Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres! Bravo! Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande deux doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bon, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, elle s'est rendormie. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack, William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir? Jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable! Quelle chance j'ai! Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau. Et après, c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourra les suivre les yeux bandés. Charity Cree. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclaré d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost, mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un vieux, un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets et faim. Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo, bravo. Plaquette, c'est le moment. Ah, je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés! Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche! Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici! Aucune charge n'est retenue contre nous! Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte! Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces croûtes de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis! C'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres! Bravo! Quel splendide repentir! C'est beau! Je savais pas tout
ça. On me dit jamais rien, moi. Tendons-leur la main. Encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. Youpi! Ça marche! Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luc. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est beau! C'est beau comme du bon pain. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes un pur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance. Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat. Vous avez raison. Unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement. Vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien. Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et quatre Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de deux jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon. T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tiens dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire. La vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Eh, vous avez vu? Y a pas de barreau. Avril, la ferme! Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut prendre Avrel. Il dort comme une souche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie, quel charisme. Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot. Oui, le bon chien-chien. Donne la papate, le bon chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Ah, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc! C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y'a rien de mal à faire le tronc. Pas très charitable comme jeu, non? Détrompez-vous, mon ami! J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh! C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisante! Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez, ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux au cas. Ta-ta-ta, j'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche? Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson.
Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson, c'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter? Oh, moi, je chante à l'église, mais pour un spectacle, je... Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, 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 nous on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si! Moi je sais bien chanter. Nous sommes les frères jumeaux. Après le coucher, dors! Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke! La chanson des bannières reporties. Ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres. On les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke! Lucky Luke! Vas-y, Jack. Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Chou. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète. Nous sommes des bandits pour le monde. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous avons dans votre cœur d'oublier sa rancœur. Si continue de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez vous aussi au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nous battre paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci, merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudra le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Non, moi, non, moi. Je m'en occupe. Sous la scène, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics. J'ai pas compris le message. C'est sûrement de l'avant-garde. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, ben moi aussi. On a eu la même idée. Encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luke, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Mais si le public s'interpose, Joe? On descend le public. Nous sommes des bandits pour nous battre paradis. C'est le plus beau jour de ma vie. Pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. En cœur. Car notre bandit pourra tout repartir. Grâce à votre tirelire. Les vrais Américains. Oh, pas le malhonnête. Il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec la recette? J'étais disposée à partager entre ses pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe. Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps. Qu'est-ce que j'ai raté? Montons-nous!
tout ce liquide à l'eau? C'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qui ont faim dans le monde. I'm a poor lonesome cowboy. Chapeau Buttmoose is Caballero. The Emperor of the Far West, when he gains revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Mon cher Luc, quel honneur pour la ville! Ouais. Moi, les enterrements, ça m'émeut toujours. Le voilà! Le voilà! Je l'imaginais plus grand. Que de souffrance dans ses yeux. C'est sûrement un parent du défunt. Cher Général Custer, c'est pour Nothing Gulch un insigne et un honneur d'accueillir l'immense héros, que dis-je, la mythe que vous êtes. Je crois que mythe est masculin, monsieur le maire. Non, 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 surtout pas de bouquet, le général est allergique. Aux fleurs. Toutes les Nothingalchoises et tous les Nothingalchois ressentent dans leur cœur vibrant de patriotes. Merci, monsieur le maire. Pas de quoi. Messieurs, sans oublier ces dames, je vous ai compris. Comptez sur moi pour débarrasser la région de tous ces peaux rouges, ces obstacles à la civilisation. Je renverrai les Indiens d'où ils viennent, en Asie. Excusez-moi, général, mais nous sommes en paix avec les Indiens. Nos Sioux sont pacifiques et intégrés. Impossible. Un peau rouge ne peut pas être pacifique. Encore moins intégré. C'est une ruse. Une ruse de Sioux. Ouais. Encore une légende qui raconte n'importe quoi. Je vais lui présenter mes condoléances. Ah,
Mes sincères condoléances. Rentemplant, ici. Rentemplant. Quel nom magnifique. Et quel regard pétillant d'intelligence. Voilà qui ferait une mascotte idéale pour le 13e de cavalerie. Pourquoi m'insulte-t-il? La douleur l'égare? 13e de cavalerie, suivez votre général. Qu'est-ce que c'est? Je comprends maintenant pourquoi la cavalerie fait partie de l'armée de terre. Jolly Jumper, une petite visite à notre ami Aigle Intègre s'impose. Des Indiens pacifiques. C'est bien ma veine. Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il a fait exprès de me nommer dans le seul coin de l'Ouest où les Indiens sont pacifiques. Une glorieuse victoire de plus sur ces mangeurs de pémican. Et je lui piquais son fauteuil. Il a peur. Le général Ulysse S. Grant a peur que le général George A. Custer lui pique sa place à la Maison Blanche. Grant est un piteux. Grant est un... Entrez! Général! Le régiment est prêt pour la revue de détail, général! Que mon frère au cœur pur et à la mèche rigolote se rassure. Les hommes justes ont depuis des lunes troqué le tomahawk pour la binette. Les farouches guerriers sont devenus de paisibles cultivateurs. Et grâce à Vrai Faucon, notre sorcier, nous avons transformé ce désert en jardin. Quand il ne confond pas la danse du vent avec celle de la pluie. Ainsi, nous fournissons toute la région en légumes 100% authentiques, estampillés du label de l'homme juste. Ouais, je crains que Custer ne préfère le carnage au jardinage, au grand chef, mon frère. Oh, oh. Nous n'avons rien à craindre du général Custer. Nous sommes les fournisseurs exclusifs de Fort Smith. Comment? Le rata est fabriqué avec des légumes peau rouge? Bien sûr, général, tout le monde mange les légumes de l'homme juste. Ils sont 100% authentiques et... Suffit! Dorénavant, le rata sera exclusivement cuisiné avec des légumes en conserve réglementaire. Excusez, général, mais ces conserves viennent du Minnesota. Et alors? Vous avez quelque chose contre le Minnesota? Non, mais ces conserves ont traversé le désert. Sous le soleil, dans un chariot non bâché, il y a risque de scorbut. Eh bien, ce sera un scorbut réglementaire, Major. Voilà tout. Ce n'est pas tout, général. Elles explosent quand on les ouvre, général. Oui, surtout les faillots. Elle est belle, ma tomate. Elle est belle. Bon, enfin, j'étais là avant vous. Les produits peau rouge sont désormais interdits à la vente. Capitaine, j'exige une explication. Ordre du général. Mais enfin, Aigle Intègre paye sa patente. Il n'y a aucune raison de lui interdire de vendre ses légumes au marché. Aucune raison, dites-vous. Aveugle que vous êtes, ne voyez-vous pas le plan perfide des peaux rouges? Mais ils ne font que vendre des légumes. Précisément, des légumes. Voilà où est la perfidie. Si personne ne vient stopper l'expansion des légumes peaux rouges, bientôt tout l'État en consommera. Toute l'Amérique, les peaux rouges deviendront riches et puissants, à la tête d'un empire agroalimentaire qui mettra la civilisation blanche à leurs mocassins. Totalement dépendants des légumes des rouges, ils auront gagné. Il faut étouffer le légume rouge dans l'œuf pour défendre l'avenir de la race blanche. T'as compris ce qu'il a dit, toi, Pete? Ouais, n'a pas l'air d'aimer les légumes. Moi, c'est la même chose avec les fritons. Je déteste les fritons. Capitaine, détruisez ce stand. Vous avez entendu le général? Exécution! Mission accomplie, sir! Yes, sir! Je ne tolérerai plus un seul Indien dans cette ville. Aigle Intègre va parler au petit homme rouge de colère. Ce n'est pas le moment. Que mon frère me laisse organiser un pot avec le petit homme rouge de colère quand il sera sec.
Allons bon, où ai-je déjà vu ce type? Ah, j'oublie jamais un visage pourtant. Cochise? Geronimo? Sitting Bull, bien sûr! Entendu. Je rencontrerai Aigle Intègre. Je vous remercie, Gédé. Hein? Que s'est-il passé? Le cuisinier a ouvert une boîte de flageolets, général! Bon. Nous disons donc après-demain, 7h17, au lieu dit les trois cactus. Ce merveilleux animal est donc à vous? Disons qu'il m'adopte de temps en temps, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ce chien a donc une tête. Je me demandais quel était cet étrange appendice qui sortait de son collier. Il s'appelle Taratata, c'est bien ça? Non. Rentemplant. Eh bien, Rentemplant, que dirais-tu de rester au fort pour devenir la mascotte du régiment? Jamais! Jamais je ne dirai où sont enterrés mes os. Il doit bien exister un moyen de le faire changer d'avis. Hein? Ah, la chambre! Alors, il a changé d'avis, raplapla? Compagnie! Ouvrez les boîtes! Ne bougeons plus. Peut-être un peu trop de sodium? Je tiens à ce que la presse témoigne que j'aurais tout fait pour éviter la guerre en discutant d'égal à égal avec les hommes justes. Donc, voici mes conditions. Les hommes justes cessent de cultiver leurs légumes. Et de quoi se nourriront-ils? L'armée se chargera de les nourrir. Nous avons d'ailleurs un stock d'excellentes conserves. Vous cherchez à pousser les Indiens à bout pour qu'ils reprennent le sentier de la guerre. Ces légumes sont des armes subversives. Aigle Intègre ne veut pas se battre contre les visages pâles. Et pour prouver sa bonne foi, il va demander à Vrai Faucon, notre sorcier, d'exécuter la danse de la paix. Vrai Faucon s'est trompé. Il a exécuté la danse de la douche. Bon, ça suffit cette mascarade, je... Vous l'avez fait exprès. C'est une agression caractérisée. Général, Aigle Intègre ne veut pas la guerre. Et s'il le faut, je galoperai jusqu'à Washington pour le faire savoir. Il galopera, je galoperai. Ça va, ça va, ça va. Allez, allez, on s'en va. Il est d'une humeur noire. Petit homme a de bien sombres pensées. Ce sont des concombres, ça? On dirait des capres. Ah, on peut plus acheter de légumes aux Indiens, alors je me fournis à l'Est. Les légumes traversent le désert, ils arrivent tout cuits et tout ratatinés. Et ça, c'est des piments rouges? Non, madame, des carottes, elles sont cuites, elles aussi. On peut dire ce qu'on veut des Indiens, mais au moins, eux, leurs légumes sont frais. Un prétexte! Il me faut un prétexte! Et alors? Je frapperai un grand coup! Oui? Général! Le nouveau drapeau avec la mascotte, comme vous l'avez demandé, général! Oui. Eh, il y a de la pâte, le trait est enlevé... Enlevé! La voilà l'idée! Je vais faire enlever Rentemplant et accuser les Indiens! Ça, c'est une idée que n'aurait pas renié Alexandre, César ou Napoléon! George Armstrong Custer, tu es un génie! Qu'est-ce que c'est? Petit bois carotte, mon général! L'heure de la soupe, c'est pas trop tôt. Rentemplant, va rejoindre les Indiens. Tu entends? Allez, va! Quelle autorité. Rentemplant, tu ne bouges pas, hein? Chez les Indiens? Ah bon? Ça, c'est l'armée. Ordre contre ordre. La mascotte du 13e de cavalerie enlevée par les hommes justes. Le général Custer prépare une attaque surprise en représailles. C'est le général Custer qui m'a demandé de publier cet article. Non, mon frère, nous n'avons pas volé le chien au gros nez. Lui s'être bien installé ici depuis ce matin. J'étais sûr que Custer s'était débrouillé pour que Rentemplant se retrouve chez vous. Tiens, Gary Cooper,
Ça fait un moment que je l'avais pas vu. D'après le journal, Custer attaquera par surprise à l'aube. Cela nous laisse la nuit. Une idée aurait-elle germé dans le potager de mon frère ? Vous ne laissez personne pour garder le fort, général ? Non. J'ai besoin de tous les hommes pour livrer bataille. Et à part les punaises, je ne vois pas qui pourrait avoir envie de s'installer dans un fort aussi inconfortable. Y a personne, mon général. Ici non plus, mon général. Général ? Le camp est désert, général ! Oh, les lavettes ! Les pieds plats ! Les gens... Oh ! Aigle-Intègre est un dégonflé ! Qu'on mette le feu aux légumes ! Moi, je les préfère à la vapeur. Mon fort ? Ils m'ont pris mon fort. Moi aussi, je veux voir le défilé. Créon, sonnez la charge. Maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Je suis aveugle, je suis aveugle, j'ai du chou dans les yeux. Le général est touché ! Le général est touché ! Ils ont eu ton changiné. Ravioli. Ravioli? Ravioli, je suis fort belle. Messieurs, nous allons les affamer. On dirait qu'ils ont changé de cuisinier. Nous avons assez de vivres pour tenir un siège. Le problème viendra de l'eau. Que mon frère se rassure, il suffit à vrai faucon d'exécuter sa danse de la pluie pour que toute l'eau dont nous avons besoin tombe du ciel. Oh, pour les affamer, il n'y a pas à dire, on les affame. C'est quoi le plat du jour ? Cactus, comme hier. Je me demande si je préfère pas les conserves réglementaires. C'est le monde à l'envers. Les assiégés se gobergent et les assiégeants n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est que nos réserves sont restées à l'intérieur du fort, général. Et tout autour de nous, c'est le désert, général. Ah, capitaine. Alors ? Général ! Le maire de Nothing Gulch a dit comme ça que ses administrés ne pouvaient pas se transformer en fournisseurs gracieux de l'armée. Vu qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes d'approvisionnement ! Une fois tous les Indiens boutés hors d'Amérique, je bouterai tous les civils ! Messieurs, il faut demander des renforts. Et lavez-moi ces uniformes ! L'eau est précieuse et ils la gaspillent pour nettoyer leurs uniformes. Si Custer tient à ce que son régiment soit impeccable, c'est qu'il attend des renforts. J'espère que mon frère a une autre idée en réserve dans son potager. Oui, que tous mes frères se déshabillent. Excusez-moi, général !
Nous avons un problème, général ! Général ! Ce n'est pas tout, général ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils n'espèrent tout de même pas que nous allons enfiler leurs oripeaux de sauvages ! Si vrai faucon, mon frère, veut bien exécuter la danse du gel... Il doit être en chaleur. Curieux animal. Vrai faucon est une tête de linotte. Il a exécuté la danse du feu. Général, je suggère que nous endossions momentanément les oripeaux de sauvages. Jamais. Si ma mère me voyait. Les Indiens ont mis le siège devant le fort. Jeune homme, préparez-vous à immortaliser cette scène. Le président Grant venu en personne secourir le général Custer. C'est une excellente journée, un peu fraîche pour la saison, mais excellente. Capitaine, soyez la charge. Général, les renforts, général. Mais que font-ils? Ils nous chargent. Mon frère aurait pu être général. Je ne suis pas fait pour la vie militaire. Je déteste me lever tôt. Ah bah bravo les renforts. Tout le monde peut faire une erreur, Georges. Mais quelle idée aussi de se déguiser en Indien. Souriez, monsieur le président. Oh, non, c'est pas le moment. J'entends déjà l'opposition. Grant charge ses propres troupes. Eh bien, Georges, on peut dire que tu nous as mis dans de beaux draps. Monsieur le Président, je vous apporte un message d'Aigle Intègre. Il tient en ces quelques mots, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé ? Bien sûr, il ne s'est rien passé. Tu as entendu, Georges ? Il ne s'est rien passé. Juste à nouveau autorisé à la vente. Demandez le Nottingham Club. Si vrai faucon, notre sorcier ne confond pas la danse de la pluie avec celle du gel. Les hommes justes auront une nouvelle récolte au printemps. Aigle Intègre tient à remercier son... Custer sera nommé à la tête du célèbre 7e de cavalerie, avec lequel il mettra un pied dans l'histoire et l'autre à Little Bighorn. Nous sommes 1 contre 10. Et alors ? Ils n'ont que des flèches à opposer à nos fusils. Charge ! I'm a bold lonesome cowboy.